D'ailleurs, attends, faut que je dise un truc là, j'ai oublié. Faut vraiment qu'on essaye de pas crever et qu'on la joue putain les trois, bah en duo, enfin, je sais pas comment on dit du coup quand on est trois, mais bon, en équipe. Du coup, faut vraiment qu'on la joue en trio parce qu'en fait, si l'un de nous meurt, et ben en fait, il aura pas accès à la cinématique finale. Yo tout le monde, c'est Killer, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve justement comme vous l'avez vu pour la fin, la The End, la fin de Arc Aberration du coup avec le boss de Rockwell. De toute façon je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait Rockwell assez vite, hein, dans la... après la sortie de Arc Aberration tout a été assez vite et je pense qu'en l'espace d'une semaine, deux semaines, Rockwell avait déjà été tombé en normal, donc moi je fais tomber seulement maintenant, on sera avec Arken et Anto du coup, on va le faire, on va avoir plusieurs dinos, je crois qu'on peut prendre jusqu'à 20 dinos si je dis pas de conneries, donc on va en prendre pas mal avec nous, on va prendre des armes, on va défoncer la gueule à Rockwell, puis il paraît qu'à la fin il se passe quelque chose, donc si vous êtes intéressé justement par ce qui va se passer avec Rockwell, bah n'hésitez pas à regarder la vidéo, on se retrouve tout de suite. Téléportation. Ça sent mal. Oh là là, ça sent la... Seulement 10 survivants et 20 créatures autorisées. Ah, oh, je suis descendu. Remonte, c'est pas grave. Attention. Y a aucun Ravager qui est là, hein. Oh, y'a aucun Ravager. Non. Ah si, ils sont là. De quoi ce gros tas de merde. Niveau 1. Ok. Oh, on y va? Ouais. Niveau 3. J'ai bien envie d'essayer un truc. Niveau 2. Ok. Y'a une boule. Ok, les boules. Ça fait masse tarif. Prends masse dégâts avec ces merdes. Ah, les tentacules qui reviennent. Ça c'est fait. Ah putain! Faites attention au niveau des boules, concentrez-vous dessus pour pas les prendre dans la gueule, pour pas vous faire défoncer. Ok. Bon, ça passe crème, on est bien. Il reste encore deux tentacules. Je m'occupe des tentacules en attendant. Une de moins. Il en reste une, je crois. C'est bon, il va tomber. Putain, il reste pas longtemps que vous verrez. Ah, il s'est relevé déjà? Oh putain. Remontez. Ok, Nem, laisse allumer les... Allumer. Ok. Bon, masse sphère dans la gueule, faites gaffe. Ouais, faites attention aux sphères. Arken, tu fais gaffe. Yes. Putain, j'ai l'impression que ça fait pas de dégâts là sur les tentacules. Oh, attention, ça va envoyer... Ah, je suis électrocuté. Putain. Ah, je suis électrocuté, bordel de merde. Donc, tentacule en moins. Nem, laisse de merde. Deux. Putain. Ah, je suis mort. C'est pas vrai. Merde. C'est mon basilic qui m'a tué. Quoi? Faut déconner. Ouais, c'est le basilic qui m'a tué. Pourquoi il t'a tué, le basilic? C'est le feu du basilic. Ou alors il y avait un basilic ennemi, je l'ai pas vu. Putain. Ok. Il recharge. Moi je vais tirer dans le cœur, vite. Couvre-moi. Ah putain, sphère. Vite, recharge. Je sais pas si je peux revenir. C'est pas. Attention. Ok putain, barre-toi. Oh. Focusez bien les Nameless et les tentacules en même temps. Attends, c'est la grosse merde là. Ah putain de. Putain de sphère. Tu électrocuté. Ok, tant pis, je prends pas la monture, j'y vais comme ça. Il reste combien de tentacules? Putain, il en reste encore pas deux. Mal. Ok.
Un moment, il en reste plus qu'une. Ouais, je la vois. Putain, elle me laisse, hein. Il tombe. Ok. Vite, voilà son cœur. Arcane, tu te fais bouffer, hein. Faut que tu bouges, hein. Putain. Ça fait chier, je vais pas louper le cœur, putain. Quoi, il est déjà remonté? Non, 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 il y a les... Putain. Les Godzilla. Oh, c'est la merde, elle est où ma monture? Je sais dégage pas. Toi. Putain. Là-bas, il y a une monture. Vite. Oh, il y a encore une putain de Reaper Queen. Ok, ok, ok. On peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Putain de tentacule, elle résiste là. Attention hein, derrière vous, vous avez des Reapers. Ouais, hein. Je vois que j'ai eu du monde au cul là. Là, c'est pas bon signe là, par contre, c'est en train de tout passer. Allez, go, go, go. Ah putain, merde! Oh putain! Quoi, t'as été tué? Ouais. C'est pas possible. Tu as. Non, putain, il restait rien! Ah, fais chier. Il restait rien! Putain, j'avais... il restait rien, c'était la dernière. Est-ce que je peux, il y a moi, je réapparaisse à l'intérieur ou pas? Non. Pour popper à... C'était rien. A few moments later. Oh ma vie, je suis Tandor. Non, non. C'est ça le retry, hein. Hein? C'est ça le retry. Ah oui. Un Ravager chacun, si jamais, comme ça au moins, on Ravager, ça va okay. Plus simple de se déplacer. Ouais, et plus rapide. Ouais, ouais, parce que franchement, le Drake, hein, comme vous disiez, hein, quand on est dessus, bah, c'est quand même la... Hein, ça braque mal. C'est insupportable. Hein. C'est vrai. J'ai l'impression de conduire une Porsche, putain. Et Dieu sait que j'en ai conduit dans ma vie. Hein. Et Dieu sait que je sais ce que c'est, hein, bien sûr. Dieu sait que j'en ai. Hein. Et dans mon garage, hein, donc. Ouais. Hein. Pas trop bien. Ah oui, ça, j'avais pas vu depuis qu'il tire ses petites pattes. Ah, je suis pas content. Eh, hey, oh. Putain, la vache. Ouais. Pas content. De quoi scandange. De que, hein. Qui est? Comment ça, Martine? Elle est pute. Donne la patte. T'es au courant que c'est une pute? Que hein? Ça, ça braque, ça c'est bien. Ça, ça braque bien, ça. Ça, ça me rappelle ma Lambo, ça. Ça c'est... Ouf. Ça... J'aurais dit la... ma Twingo, plutôt. T'as regardé Walking Dead? Non, justement, je regarde là ouais, après. Et ben... Alors... Oh non, sérieux? Alors, non, non, alors... Oh, sérieux, la vie de ma mère. Putain, mais j'en ai marre, hein. J'me... Ah non, justement, écoute. Vas-y. Adobe. Ah, oh, non. Alors, non, mais déjà de la merde. Alors, oh il est fort en genre en action, en chocolat, en représailles. D'ailleurs, attends, faut que je dise un truc là, j'ai oublié. Faut vraiment qu'on essaye de pas crever et qu'on la joue putain les trois, bah en duo. Enfin, je sais pas comment on dit du coup quand on est trois, mais bon, en équipe. Du coup, faut vraiment qu'on la joue en trio parce qu'en fait, si l'un de nous meurt, et ben en fait, il aura pas accès à la cinématique finale. Putain, moi j'en ai plus qu'un qui suit, il est où l'autre? C'est le risque, c'est qu'on est hyper... Eh, il est en bas en train de se fight, vas-y viens. Il fait chier, arrête de te fight, viens. T'es plus intelligent que lui quand même, allez on y va. Bastien, merde. Bon, concentration, on est un bon trio comme on dit. On est un bon duo plus 1. Un bon duo plus 1, je sais pas comment on dit. Et c'est parti. Jésus Marie Joseph. Oh non, le lieu de ma couille. Allez. Allez, je vais remonter. T'es belle, K. Arcane Dog. Je suis dessus. Qui lira? Ok, je l'ai. Choucan. C'est bon.
Je m'occupe des tentacules, les mecs, en attendant. Hop, il m'en reste une seule. Je vais la descendre, là. Elle va tomber. Préparez-vous. Devant, je elle vient de tomber. Il est ouvert. Ça y est. Putain, il est déjà refermé. Oh bah, t'as vu les basiliques qu'on a mis devant? Ouais, c'est vrai. Ok, là, les Nameless, normalement, c'est la phase 3. Les Nameless, ils sont arriver, là, je pense. Ils sont là. Ils sont là. Lumière. Allumez vos lumières. C'est parti. Une tentacule de descendu. Enfin, je crois. Peut-être pas. Une ici. Hop. Deuxième. Ok, on est bien. Ok, troisième. On continue, c'est bien. Je m'occupe moi des... Quatrième. Tu t'occupes de quoi, toi? Des serpents là pour qu'ils tirent sur le... Ok. Je focus les boules. Attention, en même temps. Attention, il en reste une autre. Cinquième. Dernière. C'est bon, notre attention tentacule. À l'acide, attention à l'acide, attention à l'acide. Oh là là. Putain, j'en ai pris une giclée. Oh, j'en ai pris une dans l'œil. Ça brûle. Oh, y'a de ces boules, putain. Oh. C'est Nameless à la con, ils font chier. Allume ta lumière. Putain, elle était plus allumée. Tu les one shot hein, si t'es allumé. Hein. Il va tomber normalement. Débile, putain. Ma vie, faites gaffe à votre vie à cause de la chaleur. Ça passe. Non, moi c'est bon. Il en reste une ou quoi là? Ça s'est pas ouvert. Oui, il en reste une de l'autre côté. C'est bon, il a mangé. Ok, ça va, on peut le faire, on continue. Faut faire très attention maintenant aux sphères. Attention. Je me suis fait dismount. Putain. T'es où? C'est bon, j'ai eu la tentacule qui m'a dismount. Je suis en train de péter les tentacules. Je vais en défoncer une deuxième. Je sais pas où est passé mon chien. Non plus. Et mon oiseau, je l'ai perdu aussi. L'oiseau, il se balade, c'est normal. Putain. Je suis en train de défoncer les tentacules qui dismount. Une de moins. Je sais pas où il est. Il va retomber. Il est retombé. Ouais. Qu'il est, putain. Il doit rester une seule phase. Il y a du monde là. Ok. Attention au Ravager. Ok, j'ai les spinos. Il reste côtés. Pas beaucoup de tentacules, je suis en train de faire toutes celles de derrière. En train de faire aussi. Il m'en reste deux. Elle va tomber. C'est bon, je crois. Il reste quelque chose ou pas? Il en reste une devant. Merde, j'avais pas vu. Il vous reste une tentacule devant. J'essaie de m'en occuper. C'est bon. Ah, j'ai même laissé au cul, putain de bordel. Il a deux doigts de crever, hein. Dernière okay, fois, on c'est lâche bon. Rien, on lâche rien, putain de Reaper! Il reste pas beaucoup de tentacules techniquement. Il y en a une encore à droite là. Moi je suis en train de me faire celle-là. Voilà, il en reste une apparemment, non? Je vois pas tomber, il doit en rester une vers moi. En train de la faire. Il est ouvert, hein? Il est ouvert. Yeah yes! Yes! Oui GG! Putain! Oui oh, le son de ouf! Oh putain! Oh, regardez autour de vous! Tu sais que j'avais plus de balles à la fin?
Magnifique. C'est pas bien. Wow. Et on retourne sur The Island. Oui, nouvelle map. What? Oh. 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 Ok. Bon bah ça confirme bien Extinction. Hein. Ah, excellent. Oh putain de merde. Trop bien! Putain, excellent, mec! Génial! Waouh! Putain! Excellent! Oh, j'ai une hype! Ça, je vois à quel point j'aime Ark, sans déconner! Waouh! Putain d'extension! Enfin, c'est horrible, c'est trop con de dire faire putain d'extension! Et c'est quand tu dis, tu vois, c'est la fierté d'avoir dégommé ce connard de Rockwell! Et là, tu vois, de partir en cinématique! Attends, je vais faire fin du coup. Oh, je vais laisser comme ça même pour parler de la fin. J'ai baissé juste le son du jeu. Voilà. Du coup, en fait, c'est genre ce truc de se dire, on a été sur Ark Aberration, genre, on a tout fait sur Ark Aberration, de faire Rockwell sur Ark Aberration, de le défoncer sa gueule, de partir en cinématique! Du coup, la cinématique, je ne lui attendais pas du tout, quoi. En termes de cinématique, que ça soit une... En fait, je savais que le prochain DLC de Ark s'appelait Ark Extinction, mais je ne savais pas, du coup, son contenu. Quoi. Que ce soit Extinction, forcément, faisait penser au fait que, du coup, on allait avoir une Terre complètement destroyée et tout. Mais je me doutais pas qu'à la fin de la cinématique, on voyait, par contre, l'état de la planète sur laquelle on vit. Et c'est trop bizarre, parce que je sais pas si vous avez... Enfin, vous l'avez vu. Genre, à la fin, t'as l'impression d'être sur une planète nickel. Et c'est comme si, au final, tu sais, t'avais un hologramme, en fait, tout autour de cette planète, et que l'hologramme se mettait à déconner, et qu'en fait, ça te montrait réellement ce que c'était devenu, tu vois. En soi, on voit avec le portail qu'en fait, on n'est même pas des êtres de chair, qu'on est des êtres, comment dire... Bah, c'est trop bizarre, oui, comme... Bah, on a été créés, en fait. Ouais, ouais. C'est ça, on a été créés. Donc, du coup, de voir comme ça le... Et Rockwell, c'est... Attends, si je dis pas de conneries, Rockwell, c'est l'un des survivants qu'il y avait sur Ark. Apparemment, ouais, parce que normalement, quand tu lis les livres, moi j'ai pas lu tous les livres qu'on peut trouver sur Ark, mais quand tu lis les livres, en fait, t'as un survivant. Normalement, il faudrait que je m'informe. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires, justement. Il faut que je m'informe par rapport à ça. Je vais te checker. De toute façon, je mettrai des petits liens au pire. Et Rockwell, apparemment, je crois que c'est un survivant. Et du coup, je pense qu'il est devenu fou et qu'il y a eu quelque chose avec lui. Mais c'est dingue. Enfin, la fin. T'imagines pas, mec, comment la fin m'a mis une hype! Ça me donne trop envie d'aller sur Extinction, quoi. Même si je connais pas encore son contenu ou quoi, ça me donne trop envie d'aller dessus. Et genre, le cri que t'entends à la fin, en mode, tu sais, un peu Godzilla ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, carrément. Le cri que t'entends à la fin, ça donne trop envie. Bah, et étant clôturé cette aventure sur Ark Aberration, toi derrière ton écran, tu l'auras compris, c'est la fin de Ark Aberration. Évidemment, les modes sur Ark ne sont pas terminés, l'aventure sur Ark n'est pas terminée, ce n'est que le début parmi tant d'autres histoires qu'il peut y avoir sur Ark, puisqu'il y a plein de modes à présenter, il y a plein d'autres histoires à faire, il y a Ark Extinction qui devrait sortir vraiment pour l'été 2018, on est bien en 2018, hein, je suis pas dans le turfu, ouais. Voilà. Et donc du coup, il y a encore plein de choses à présenter, seulement Ark Aberration, je pense qu'on a fait le tour, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup, il y a quelque chose que j'ai pas forcément fait sur Ark Aberration que vous vouliez voir. Moi, pour moi, je pense que j'ai fait le tour. On a montré le maximum de créatures, on a tamé pas mal de créatures, on a fait Goliath qui est la Reaper, enfin le Reaper qui est magnifique. On a fait du coup le plus important, la phare Rockwell, qui est juste incroyable. Donc, on se retrouvera très vite pour du Ark, je pense probablement la semaine prochaine, pour des présentations de mode, des présentations de plein d'autres choses, des nouvelles histoires qui vont commencer sur Ark, vous allez savoir assez vite prochainement.
Il va y avoir pas mal de trucs, il va y avoir pas mal de streams qui vont démarrer aussi sur Ark, mais tout ça, voilà, vous allez le voir au fur et à mesure, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer. Donc en attendant, les commentaires, je vous fais de gros bisous, merci infiniment d'avoir suivi cette aventure avec nous sur Ark Aberration. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, puis les copains, faites le mot de la fin. Hein. Bah, ciao tout le monde. Eh bien, ciao tout le monde, et merci pour nous avoir suivis sur Aberration. C'est ça, ciao. Ciao.